Tu es merveilleux, Seigneur. Et tel un bon berger, tu nous as conduits en ces lieux, Seigneur, pour que tu nous parles. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Nous n'avons rien à te donner si ce n'est des actions de grâce, si ce n'est bénir ton nom, te dire de tout nos cœurs merci. Merci pour tes bontés, merci pour ce que tu as fait encore pour ma vie. Merci pour ce que tu as fait pour la vie de mon frère. Merci pour ce que tu as fait pour la vie de ma soeur. Et la liste, Seigneur, de ne pas connaître. Tellement tes bontés sont infinies. Parce que tu es un Dieu infini. Tu es un Dieu au-dessus de toutes choses. C'est toi qui es assis sur un trône élevé, d'où tu règnes sur le monde visible et le monde invisible. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te céder la place. Laisse que ton règne à toi vienne. Nous voulons, Seigneur, encore recevoir quelque chose de ta part. Nous voulons encore, Seigneur, que ce dimanche, tu nous parles. Tu nous dis le mot qui nous guérit, le mot qui nous donne la paix, le mot qui nous donne la joie, le mot qui nous ouvre la porte des miracles. Seigneur, nous savons que c'est toi, le maître des temps, c'est toi le maître des circonstances. Seigneur, nous savons que tu passes par des humains. Aujourd'hui, en cet instant, tu passes par moi. Permets que l'onction de ton Saint-Esprit puisse m'envahir, me remplir, pour que je parle de ta part, pour que tout ce que je dis à Seigneur donne gloire à ton nom. Parce que le maître de toutes choses, c'est toi. Tu es le vivant potier. Tu l'as dit dans ta parole, si toi tu le bâtis, c'est lui qui bâtit le fer en vain. Si nous ne voulons pas travailler en vain, voilà pourquoi nous te laissons le temps. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Éclaire-nous, Seigneur, comment nous devons marcher dans ce monde. Parce que lorsque nous marchons selon ta parole, la plus des victoires est pour nous. Gloire à ton nom, roi des rois. Gloire à ton nom, Seigneur le Seigneur. Gloire à ton nom Jésus, sans ton nom le maître absolu, le Messie de tout le temps, que j'ai ainsi prié en te disant gloire et louange à toi. Amen. Gloire à Dieu. Nous remercions encore ce dimanche notre Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité et pour l'amour qui ne cesse de nous manifester. Il est un Dieu bon. Et ce dimanche, il nous renouvelle encore sa grâce de pouvoir partager sa parole. Qu'il soit béni et que son nom soit exalté. À toi aussi mon frère, à toi aussi ma soeur, toi qui y a reçu aussi la grâce de Dieu, la faveur de Dieu de pouvoir écouter ce message. Que mon Dieu te bénisse richement. Qu'il te fasse beaucoup de bien. Tu sais, tu es peut-être venu écouter ce message parce que le dimanche on écoute des messages. Peut-être que tu es tombé sur ce message par un pur hasard, mais il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous savez, il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, au chapitre 10e, verset 17e, que la foi, cette foi-là dont nous avons besoin, cette foi-là
qui est utile pour que nous puissions vivre les miracles de Dieu, elle ne vient que de la parole de Dieu que nous entendons. Donc si tu entends la parole, reste. Parce qu'il n'est pas dit que la foi vient de la parole que nous avons entendue. Non, ça n'est pas ça. On n'a pas dit que la foi vient de la parole qu'on entendra. Non, ça n'est pas ça. Il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, ce que tu entends maintenant, demeure, reste. Et Dieu va te donner la foi. Et avec cette foi, tu verras que ta vie va changer. Reste, écoute, même si tu ne comprends pas. Parce qu'on n'a pas dit, il n'est pas écrit que la foi vient de la parole que j'entends et que je comprends. Non. Ce malade qui était à la piscine de Bethesda, ce que Jésus lui a dit de faire, il ne pouvait le comprendre. Parce qu'il lui dit, lève-toi, c'est quelque chose qu'il ne savait pas, et marche. Mais parce qu'il a entendu cette parole, il avait vu le miracle. Et regardez partout. L'important, c'est surtout d'entendre le message. Que tu puisses écouter ce message jusqu'à la fin, qu'il te fasse du bien, et que par la foi que Jésus va te donner, tu puisses toi aussi expérimenter des grandes choses. Donc nous sommes en train de partager depuis 2 semaines. Nous sommes 1 semaine avant la Pentecôte. Le dimanche prochain, c'est la Pentecôte. C'est l'anniversaire de l'Église. C'est l'effusion du Saint-Esprit et le départ de la première assemblée chrétienne sur cette terre. Mais avant cela, nous sommes en train donc de préparer nos cœurs à cette grande fête. Nous sommes en train d'expérimenter comment vivre alors les manifestations de la puissance de cette esprit dans nos vies. Comment vivre des vies épanouies? Comment vivre? Quand je dis vie épanouie, c'est quoi? C'est que quand je suis dans ma famille, je vis la joie de Dieu. Quand je suis dans mon église, je vis la vie de Dieu. Nous devons cesser d'expérimenter cette vie-là convaincue. Les Israélites, lorsqu'ils sont revenus dans Jérusalem à l'époque d'Agé, ou Agé 10, Agé 1, j'apprends chapitre 6, il dit, les gens mangeaient, mais ils avaient toujours faim. Ils buvaient, mais ils n'étaient pas désaltérés. Ils pouvaient travailler, mais ils mettaient l'argent comme dans des poches trouées. Non, nous voulons éviter cela. Nous voulons vivre la santé de Dieu. Une vie épanouie, voilà pourquoi nous avons été créés. Remarquez que Dieu, quand il crée l'humain, c'est ça son plan pour nos vies. Il le crée et la toute première chose qu'il donne à l'humain, c'est la bénédiction. Il dit, je te bénis, sois fécond, remplis la terre, multiplie-toi, remplis la terre, assujettis la terre et domine la terre. Il le bénit. Et lorsqu'il l'installe dans Genèse 2, il lui donne une adresse. Ça s'appelle le jardin d'Éden. Qui veut tout simplement dire jardin de délices. Donc Dieu nous veut dans les délices. Dieu nous veut dans la domination. Il nous veut dans la fécondité. Et la fécondité de Dieu, ce n'est pas nécessairement d'avoir des enfants. Non. Être fécond. Que tout ce que nous touchons se multiplie. Que tout ce que nous avons une santé multipliée. Nous avons une beauté multipliée. Nous avons une vie multipliée. Et nous sommes en train de partager de ces choses-là, parce que ces choses-là ne viennent pas tout simplement parce que je viens à l'église tous les dimanches, et puis après, tout d'un coup, j'expérimente la bénédiction de Dieu. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Je prie tout le temps, et puis tout d'un coup, ça n'est pas comme ça. Dieu nous donne des clés. Lorsqu'il crée la première église, il dit à Pierre, je veux bâtir mon église, ma Pierre, il dit, je te donnerai les clé du royaume afin que tout ce que tu vas lier sur cette terre soit semblable à ce qui sera lié au ciel. Donc en d'autres termes, Dieu nous donne des clés. Une clé, ça sert à ouvrir une porte. Donc il nous donne des clés que nous pouvons utiliser pour ouvrir les portes de la grâce, les portes de la santé, les portes de la joie, les portes pour vivre une vie épanouie en Christ. Et nous avons déjà partagé quelques clés, par exemple. Dieu veut que nous puissions être la bonne personne. Vous souvenez donc, comme je dis, la bonne personne, c'est mon Dieu. Pas la bonne que nous travaillons pour paraître devant les hommes. Mais nous devons travailler pour paraître
bonne devant Dieu. Il nous a donné une autre clé. Nous travaillons beaucoup de la manière des hommes. Or, les voies de Dieu ne sont pas comme les voies des hommes. Dieu veut que nous puissions travailler selon sa méthode. Parce que c'est la méthode qui réussit toujours. Et depuis dimanche passé, nous sommes en train de voir comment travailler pour accomplir, travailler pour atteindre les objectifs de Dieu. Dieu ne nous a pas placés pour rien. Là où nous sommes. Dieu ne t'a pas donné ce que tu es pour rien. Ta famille, ton assemblée, toutes les diligences, les moyens qu'il te donne, il y a des buts. Salomon dit dans Proverbe 16, chapitre 4, il dit, nous avons été créés. Donc Dieu a créé toutes choses pour un but. Même la méchanceté, Dieu il a tout fait pour un but. Dieu dit, quand il appelle Jérémie 1, verset 5, il lui dit, je t'ai déjà connu avant même que tu sois conçu dans les ventres de ta maman. Et j'étais déjà établi comme prophète des nations. En d'autres termes, si Jérémie venant dans ce monde pouvait travailler pour autre chose, il allait jouer. Voilà pourquoi malgré qu'il disait, non, je suis un enfant, il dit, non, toi, c'est prophète, même malgré tes limitations, va, parce que c'est là que tu auras la provision. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé, entre autres, lorsqu'il nous dit, dans Romains chapitre 8, verset 28 et 29, il nous dit que il fait tout concourir, le bien et le mal, au bien de ceux qu'il aime. Mais qui sont ceux qu'il aime? Ce sont ceux-là qui travaillent pour l'accomplissement de ses desseins. Quel est son dessein? C'est nous travailler pour devenir l'image de Christ. Et c'est ça que nous avons essayé pour enchaîner ce dimanche. Ça voudrait dire quoi devenir l'image de Christ? Est-ce que devenir ressemblable à Jésus, c'est nous aussi devenir des messies, aller au ciel, naître d'une vierge, descendre sur cette terre, faire des miracles, être crucifié? Non, ça n'est pas ça. Devenir semblable à Jésus, c'est agir comme Jésus, savoir des manières de Jésus. C'est que lorsque on nous voit, on pense à Jésus. C'est ça le but. Et le thème de notre message, le titre de notre message d'aujourd'hui, c'est comment alors connaître et comment vivre les buts de Dieu pour ma vie. Comment connaître et comment vivre les buts de Dieu pour ma vie. Et c'est très important. Je l'ai dit le dimanche passé pour ceux qui m'ont écouté. Le message est sur YouTube. Nous échouons beaucoup parce que nous travaillons pour autre chose que ce pourquoi Dieu nous a établi sur cette terre. Nous ratons donc la cause de nos échecs, c'est que non seulement nous travaillons pour de faux mobiles, même à l'église. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils veulent avoir le miracle. Ça n'est pas ça le but de l'église. Les gens vont dans des mariages, les mariages ratent. Parce que les gens veulent aller dans les mariages parce qu'ils veulent avoir, je ne sais pas moi, quel avantage. Non. Il y a des buts pour lesquels Dieu a établi chaque institution. Nous devons chercher à connaître ces buts. Et nous devons chercher à vivre ces buts. C'est alors que nous allons vivre des vies éternelles. Il est écrit dans Jérémie, verset 29, verset 11. Un des passages les plus connus et les plus cités de la Bible. Dieu dit, j'ai des desseins. Je l'ai dit avec nous. J'ai des buts. J'ai des objectifs. Il y a une finalité que je vais atteindre partout sur cette terre. Et ce sont des finalités de paix et non de malheur. Parce que je vous veux vivre sur cette terre dans un présent et dans un avenir merveilleux. Donc, nous voulons aujourd'hui que le Saint-Esprit nous aide à connaître chacun d'entre nous. Depuis tantôt, ce n'est pas le mien. Pour Jérémie, c'était prophète. Et pour toi. Pourquoi Dieu t'a placé là où tu es? Pourquoi exactement dans cette adresse où tu vis? Pourquoi dans cette famille-là? Pourquoi dans cette communauté-là? Pourquoi dans ce pays-là? Pourquoi tu travailles là où tu travailles? Pourquoi Dieu t'a donné cette intelligence? Pourquoi Dieu t'a donné telle ou telle qualité? Lorsque nous travaillons pour ça, c'est alors que quelles que soient les embûches qui seront sur notre chemin, Dieu fera tout concourir au bien,
à notre bien. Nous allons donc, avant de développer le message, nous allons lire un passage. Comme il est de coutume, nous lisons la parole de Dieu parce que tout doit être basé sur la parole qui est le roc. Alors je vous invite de tourner avec moi dans l'épître de l'apôtre Paul, rédigé par l'apôtre Paul, à l'église de Philippe, donc aux Philippiens, au chapitre 3e. Philippiens, chapitre 3e. Et nous lisons à partir du 11e verset. Je répète, l'épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 3e. Et nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus à partir du 11e verset. Ainsi dit la parole de Dieu. Si je puis. Non, à partir du verset 4e, excusez-moi. Moi aussi, cependant, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. J'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Moi aussi, je peux chercher à m'attacher aux choses de ce monde. Pourquoi? Mais j'ai toutes les qualités, il ajoute. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je n'ai plus davantage. Parce que regardez à partir du verset 5, tout ce que moi j'ai. J'ai été circoncis le 8e jour, comme le dit donc la loi juive. Je suis de la race d'Israël. Je suis de la tribu de Benjamin. Je suis hébreu, né d'hébreu. Donc je ne suis pas un hébreu d'adoption. Quant à la loi, à la connaissance de la parole, je suis pharisien. Verset 6. Quant aux ailes, ma manière de faire, mon engagement, donc, quant à ma motivation, j'étais persécuteur de l'Église. J'étais irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Le verset 7e, lorsqu'il a compris une chose, lorsqu'il a compris qu'il allait dans une mauvaise direction, il dit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Oh oh. Et je les regarde comme de la boue, poto-poto, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Parce qu'il vient, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts, parole du Seigneur. Quelle déclaration forte de puissance de cet homme. Bien aimé, c'est de là où toi tu es. Rien que lorsque nous avons lu ce passage, déjà je peux te poser des questions. Tu as beaucoup de qualités. Tu as beaucoup de dons. Les gens disent de toi que tu es très intelligent. Tu as très de qualités. Paul dit ici, si toi tu crois avoir des qualités humaines extraordinaires, moi j'en avais plus. Mais un jour cet homme a compris que le but, ce n'est pas ce que je fais. Ce n'est pas de travailler pour avoir beaucoup d'argent, non. Non. Ce n'est pas de travailler pour que les gens parlent de moi, non. Ce n'est pas de travailler pour que je sois en bonne santé, non. Mon but, il est dit ici, mon but, verset 10, ça fait de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Parce que si tu connais Christ,
Si tu connais l'œuvre des justes, il est écrit, voici les miracles. Tu ne chercheras pas la santé va te suivre. Tu ne chercheras pas la paix va te suivre. Tu ne chercheras pas l'élévation, les miracles vont te suivre. Si tu cherches à connaître Christ, si tu cherches à savoir pourquoi Jésus t'a établi, si tu ne travailles pas pour le bien de ce monde, bien-aimé, tu vas expérimenter des grandes choses. Vous savez, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est une personne qui est. Elle a raison. Lorsque il parle aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 11, le premier verset, il dit, soyez mes imitateurs. C'est-à-dire que cet homme était capable de dire aux gens, au lieu d'écouter beaucoup de prédications à l'église des dimanches, regardez-moi vivre. Ma vie, c'est soutenir une prédication. Ma manière de te comporter, quand il dit, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je le suis de Christ. Il veut tout simplement dire qu'il est arrivé lorsqu'il a connu Jésus à ce que sa manière de vivre, sa manière de faire, sa manière d'opérer reflétait la manière de vivre. Et vous voyez combien il n'a jamais cherché de miracles. Les miracles ont sauvé cet homme. Il y a quelques semaines ici, nous avons vu qu'on dit qu'il a ressuscité des morts. C'est un monsieur qui avait reçu une onction telle que même toucher les pans de sa robe. Non seulement faisait des miracles pour Paul, mais accordait des miracles. C'était une bénédiction pour la communauté. Et nous pouvons regarder, lorsque nous lisons Paul, nous faisons la lecture des épîtres de Paul, nous devons avoir deux visions. Parce qu'on peut lire Paul comme prédicateur, ce qu'il a écrit, la manière dont il nous a exhortés, par exemple, lorsqu'il nous parle de Timothée, il nous parle d'un Romain, etc. Il prêche très bien. Mais moi, j'aimerais surtout que moi et toi, j'aimerais te conseiller de considérer Paul comme modèle de chrétien. Regardez son parcours. Comment il a vécu. Regardez ce qu'il a dit. Il avait une vie. Lorsque nous lisons ces épîtres et nous lisons aussi les Actes des Apôtres, nous voyons comment on nous a relaté la vie de cet homme. Et nous pouvons comprendre comment est-ce qu'une personne peut partir de ce qu'il était, Saul de Tarse, et devenir le grand apôtre de Jésus. L'apôtre qui pouvait donner un témoignage, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 15, il dit, moi qui étais un moins que rien, un avorton, moi qui n'ai pas connu Christ dans la chair, comme les Matthieu, les Jean, les Pierre et autres, mais j'ai reçu une grâce, j'ai reçu une onction de la part de Dieu au-dessus. Et il ajoute, j'ai reçu cette onction parce que j'ai travaillé plus. 1 Corinthiens chapitre 15. Donc moi aussi et toi aussi, si tu travailles comme Paul a travaillé, si je fais comme Paul a fait, si je fais comme Paul a opéré, bien aimé, ici, selon la parole, Jésus dit, nous pouvons, tu peux faire des actes plus grands. Tu n'as pas beaucoup de choses. Tu attends beaucoup de choses. Tu as prié, tu as jeûné. Tu commences même à venir parfois dans les choses spirituelles, un peu comme par habitude, tellement quelque part dans ta tête, c'est écrit que Dieu n'agit pas. Ou il agit, non. Jésus dit, mon Père agit, moi j'agis encore. Jésus agit. Et je suis persuadé que même à cet instant, il peut te toucher de la vie. Et il peut transformer toutes tes impossibilités en possibilités. Jésus n'a pas changé. Il est le même. Il est le même qui veut nous voir épanouis, qui veut nous voir dans la joie, qui veut nous voir dans le succès, qui veut nous voir dans la victoire. Assez cette vie chrétienne pauvre sur tous les plans. Cette vie chrétienne où on apporte des messages, mais où on ne voit pas. Non. Nous devons expérimenter. Nous devons aussi crier comme Job. Ah! J'avais entendu la prédication, entendu parler de toi. Mais aujourd'hui, mes yeux ont vu, c'est-à-dire que j'ai vu. Nous voulons aussi vivre. Nous voulons que le Dieu cesse non seulement d'être le Dieu d'Abraham, de Jacob, mais qu'il devienne ton Dieu. Et au nom de Jésus, je prophétise que ce Dieu-là devienne ton Dieu à toi qui m'écoute en ce moment. Que les gens témoignent que moi, j'aimerais aussi que Dieu me fasse
Fasse pour moi comme il a fait pour ma soeur ou mon frère qui est en train de suivre ce message. Que ces choses-là que tu attends, qui peuvent paraître impossibles, puissent devenir possibles pour toi. Mais avant toute chose, bien-aimé, avant de voir un peu le parcours de cet homme, qui un jour a regardé, il travaillait comme toi aussi. Aujourd'hui, regarde parfois comment les choses de la terre nous prennent du temps. Combien de fois la priorité de nos vies, je vais le dire, parfois c'est même devenu notre travail, la pas d'avoir beaucoup d'argent, qui fait que nous sommes tellement fatigués que lorsque nous nous mettons à prier, on dit, mon Dieu, comprends-moi, je suis fatigué. Non. Paul était quelqu'un qui pouvait lui aussi s'attacher aux choses du monde. Il le dit. Il dit qu'il pouvait le faire plus que toi et moi. Parce que c'est une personne qui avait toutes les qualités pour s'attacher. Et un jour, il a compris que tout ça, c'est de la perte du temps. Tout ça, c'est de la boue. Tout ça, ça m'amène vers la mort et vers la perdition. Ici, j'aimerais que tu appelles mes amis. Arrête-toi un peu. Arrête-toi. On ne peut pas continuer d'aller sur la voie qui, jusqu'à présent, n'a pas encore donné fruit. Tu ne dois pas continuer d'avancer. Et c'est possible, où que tu sois, tu ne dois pas être en Europe pour expérimenter Dieu. Non, c'est faux. Tu peux expérimenter Dieu même dans un village reculé, dans n'importe quel coin du monde, parce qu'il est omniprésent. Le problème, ce n'est pas le lieu physique dans lequel tu te trouves. Le problème, c'est la connexion que tu as avec Jésus. Jésus nous veut que nous aussi, nous puissions quitter de ce que nous étions. Paul, c'est tout ça de Tarse et devenir les apôtres, les messagers de Jésus. Devenir ceux-là qui, par nos vies, par nos comportements, nous transportons son message. Et que nous devenons des témoins. Tout disciple accompli agit comme son maître. Mais avant de pouvoir faire ce parcours en quelques mots, j'aimerais un peu nous donner quelques principes de la vie. Vous savez, aujourd'hui, l'une des choses qui nous met en difficulté, c'est que nous voulons tout avoir. Et tout de suite. Non. Non. Nous voulons tout avoir et tout de suite. Nous devons savoir que pour parvenir à quoi que ce soit, Dieu a établi un processus. Quand tu dis dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, il dit, j'ai des plans, j'ai un plan pour que vous ayez la paix. Un plan est une succession des étapes pour aboutir à quelque chose. Tu ne peux pas chercher à vouloir des choses au premier jour où tu veux tout avoir. Ça n'est pas vrai. Regarde dans la vie tout pour naître au monde. On commence par quelque part. Et puis on est bébé. Et puis bébé, on grandit. On devient jeune, adolescent. On devient adulte, on vieillit. Nous devons savoir que nous échouons aussi, parce que c'est comme ça que cet homme à travers va le voir. Et c'est de savoir que nous devons comprendre que la vie est une succession, c'est un processus. Tu vas réussir dans ton mariage. C'est un processus. Bâtir un bon mariage. À quitter de la vie dans laquelle vous êtes maintenant, où il y a parfois des difficultés, parfois des mésententes. C'est un processus. Accepte, je ne sais pas à quelle étape de la vie tu es maintenant. Mais le problème, c'est que ne pense pas que tu vis un drame. C'est normal. Regardez un peu la vie de beaucoup de gens. Regardez quelqu'un comme qui c'est par exemple Joseph, par exemple. Avant d'arriver là où Dieu l'avait appelé, si tu regardes la succession, le processus qui l'a amené à l'élévation, tu peux ne pas croire. Parce que nous avons un regard humain. Dieu nous dit d'avoir un regard spirituel. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on dit que la vie est un processus, quitter quelque part et arriver à un certain niveau, il y a des étapes. Dans tous les domaines, même lorsque nous voulons guérir, il y a des étapes. Lorsque nous voulons grandir, il y a des étapes. Il y a un processus
il y a un protocole qui a déjà établi. Et nous devons aussi savoir un second principe, c'est que pour chacune de ces étapes, sont comme des temps, des saisons. Il y a le printemps, nous vivons le printemps pour les moments, qui va être suivi au mois de juin par l'été. L'état suivi sera suivi par l'automne. Et après l'automne, nous allons connaître l'hiver. Chaque saison a ses spécificités. Bien aimé, lorsque nous sommes en hiver, pourquoi? Parce que toutes les saisons ne se ressemblent pas. Je dis ça pour t'encourager. Parce que tu dis, pasteur Ada, il dit ça, parce que lui, il ne sait pas ce que moi je suis en train de vivre. Non. Non. Ce que tu vis, c'est ce que vit le monde. Parce que la vie est une succession des étapes, et chaque étape est comme une saison. Et chaque saison, il y a de bonnes saisons. Quand nous sommes en hiver, tout le monde souffre. Il fait froid, nous devons porter des gros pulls, des gros manteaux, nous devons souffrir à rouler dans la neige, et c'est difficile. Chaque saison a ses spécificités. Peut-être que tu es dans l'hiver. Le problème, c'est que, attends, le pleuve va se terme. Les ténèbres ne régneront pas toujours, dit l'Éternel. Le problème, c'est que ne t'écarte pas parce que tu vis une période d'hiver. Non. Il y a toujours, lorsqu'il y a la nuit, il y aura le jour. Lorsqu'il y a le printemps, il y aura l'été. Lorsqu'il y a l'été, il y aura l'automne. Lorsqu'il y a la saison sèche, il y aura la saison de pluie. Et lorsqu'il y a la moisson ou le mousson, je ne sais pas comme en Asie, il y a d'autres saisons. Il y aura tout d'un coup. Chaque saison a ses spécificités. Le problème avec nous, les humains, c'est quoi? Nous avons du mal à travailler, à aboutir à notre bon objectif. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas, nous ne voulons expérimenter que de bonnes saisons, pas du tout. Mais sache bien que s'il n'y avait pas d'hiver, il y aurait beaucoup de temps. L'hiver, Dieu a tout fait pour un but. Dieu sait pourquoi il a fait l'hiver. Je ne suis pas ni météorologue pour expliquer les avantages, mais il y a un but. Crois-moi que s'il n'y avait qu'une saison, il y aurait beaucoup de catastrophes. Et la preuve, c'est que les autres planètes où il n'y a pas toutes ces saisons, la vie humaine n'y est pas possible. Donc, nous devons comprendre, nous ne devons pas chercher à nous attacher qu'aux bonnes saisons. Non. Bien au contraire. Ce que moi et toi nous devons chercher, c'est avoir un comportement adapté à chaque saison. Le problème est là. Vous savez, quand je veux par exemple considérer la mauvaise saison, pour vous montrer comment elle peut être utile, une personne est malade, physiquement. Il y a quelque part quelque chose dans son estomac qui n'est pas bon, il va à l'hôpital. Et il va se faire soigner. Le médecin va lui donner des piqûres. Peut-être qu'il peut passer à la table de parce que ça fait mal. Mais c'est un mal pour un bien. Voilà pourquoi Dieu parfois nous laisse traverser le fleuve. Nous laisse traverser les feux. Il sait. Il dit à son peuple dans Deutéronome au chapitre 8, il dit, je vous ai laissé dans le désert parce que j'ai des buts. Vous humilier pour voir que l'homme ne vivra pas que du pain. Pour vous montrer que moi je suis votre Dieu, vous devrez être soumis à moi. Il y a des leçons. Demande un peu aux écoliers. Quand ils vont à l'école, c'est difficile. Mais la finalité est bonne. Nous ne devons pas tout le temps aimer que le printemps. Non. Nous devons aussi aimer l'hiver. Nous devons aussi aimer l'automne. Savoir qu'à l'automne, il y a les arbres qui perdent leur feuillage. Mais tout ça, c'est pour préparer qu'au printemps, nous puissions avoir des belles fleurs. Nous devons savoir ces choses, que nous avons été créés, comme lui-même l'apôtre Paul l'a dit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, pour accomplir de bonnes œuvres que Dieu avait déjà au préalable prévues pour nous, que nous puissions les accomplir en Christ. En d'autres termes, nous devons cesser. Nous faisons beaucoup de choses par nous-mêmes. Nous devons chercher à travailler selon le plan de Dieu et chercher à avoir un comportement adapté à la saison. Chercher à avoir un comportement adapté à la saison et faire correspondre notre vie à la saison. Ça, ce sont
Cet homme qui travaillait. Cet homme qui avait des qualités. Il nous a révélé dans la parole de Dieu qu'il avait été au pied de Gamaliel. Qu'il avait reçu l'une des formations théologiques les plus performantes à l'époque. Et il est dit ici, quant à la loi, j'étais pharisien. Donc les gens qui avaient toute la parole de l'époque en tête. Et puis ça n'était pas n'importe qui, il faisait partie du peuple des élus. Hébreux, pas d'adoption, né d'hébreux. Il ajoute aussi qu'il était de la tribu de Benjamin et que tous les rituels par lesquels on devait faire passer un Israélite pour être reconnu comme faisant partie de la nation élue, il avait. Mais regarde, le problème, c'est que cet homme, où est-ce qu'il avait engagé? En quoi il avait mis tous ses dons et talents que Dieu lui avait donné pour chercher à plaire aux hommes? Il dit qu'il avait un zèle terrible. Parce qu'à l'époque, pour les Juifs, pour gagner leur estime, il fallait persécuter l'église de Jésus. Et toi aussi, aujourd'hui, à quoi tu mets ton temps? Dis-moi, qu'est-ce qui te préoccupe? Aujourd'hui, à parfois, je vous dis, le gain des choses de ce monde qui fait que nous ne savons plus cette vie. Nous avons tellement fait de la recherche de l'épanouissement des biens de ce monde. Nous voulons être de tête, nous voulons avoir beaucoup d'argent, avoir de belles maisons, avoir ces biens. Mais nous avons fait de ces choses la priorité de nos vies, à telle sorte que nous persécutons l'Église comme le faisait Paul. Pourquoi? Parce que nous n'avons plus d'énergie pour cette vie. Nous venons à l'Église, il suffit qu'un message dure ne puisse plus d'une demi-heure. Et puis, passer à la moulaï. On va commencer. Je vous dis que le chapitre 5e, le chapitre 6e, le chapitre 7e de l'évangile sur le Matthieu, c'est une prédication. Le sermon sur la montagne. Lorsque nous lisons les commentaires bibliques, ça a duré au moins 8 heures. Nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 20, que Paul avait commencé à prêcher jusqu'au mois à minuit lorsque Eutychus est tombé de la fenêtre. Et aujourd'hui, tu sais pourquoi tu ne tiens pas? Mais c'est parce que tu veux rentrer vite pour aller faire autre chose, pour aller regarder le théâtre, pour aller voir la suite de nos feuilletons. Je ne dis pas ça. La parole de Dieu ne veut pas pour nous condamner. Elle veut pour nous réveiller. Parce qu'il veut que nous puissions aussi prendre conscience comme l'avait fait Paul pour dire, ah, ces choses, ça me prend beaucoup de temps. Regarde, je ne sais pas toi, moi, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te fatigue tellement à tel point que toi aussi tu persécutes l'église de Christ. Qu'est-ce que tu es en train de donc, par quoi as-tu mis ton temps, ton énergie est où aujourd'hui? Quelle est la priorité? Quelle est ta priorité? Où est-ce que tu mets ton temps, ton énergie? Tu combats pour quoi? Lorsque tu te réveilles, tu dors. Je ne suis pas ici, bien aimé, en train de condamner ceux qui travaillent. Non. Nous vivons dans ce monde, nous avons des besoins. Mais le problème, c'est que le besoin du monde du moment, parfois, veut nous piéger. À tel point que nous persécutons Christ et nous persécutons l'Église de Christ. Pourquoi? Parce qu'ici, il est écrit pour lui. Il est écrit au verset 7, jusqu'à ce qu'il a vu. Mais savez-vous comment il a vu? Il n'a pas vu comme ça. Voilà pourquoi le Saint-Esprit te met à toi et à moi en garde aujourd'hui. Il te met pourquoi? Parce que quand il te parle comme il le fait maintenant par ma bouche, c'est qu'il voudrait, que tu puisses y arriver par les méthodes douces. Pourquoi? Parce que cet homme qui persécutait l'Église, cet homme qui avait reçu beaucoup de dons de la part de Dieu, nous le voyons lui-même. Comment il a fait des belles études. Il était né d'une bonne communauté. Cet homme qui, au lieu d'utiliser tout ce talent-là, son zèle-là, pour bâtir l'Église, il utilisait le zèle pour combattre l'Église. Et combattre l'Église aujourd'hui a d'autres formes.
Combattre l'église aujourd'hui, c'est travailler pour que l'église de Dieu ne progresse pas. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que l'église avance? Il n'y a pas que les pasteurs à le faire. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Ça fait 2-3 mois que l'église est en confinement. Tu fais quoi pour ton église? Tu fais quoi pour ton église? Ça fait du temps que tu viens à l'église. Parce que le confinement va passer. Ce virus est en train d'être passé. Dieu l'a déjà mis hors d'état de nuire. En quoi tu es utile? En quoi tu ne persécutes pas l'église? En quoi? Bien-aimé, le Saint-Esprit nous parle. Nous parle. Toutes ces qualités-là dont tu te vantes que tu as. J'ai un bon travail. J'ai une bonne santé. J'ai une bonne famille. J'ai de bons et beaux enfants. J'ai une belle voiture. J'ai une belle maison. C'est bien. Mais c'est bien. Ce sont des choses que Dieu t'a données, des qualités, pour que tu puisses les utiliser pour la perpétuation et la connaissance de l'œuvre de Jésus. Pour que le monde puisse connaître Jésus et que le monde puisse venir à Jésus. Si tu ne viens pas par des méthodes douces, comme par rapport au message qu'il te donne aujourd'hui, tu risques de les connaître comme l'avait connu Paul. Parce que lui, au verset 7, il nous dit, mais... verset 3, verset 7, il nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Mais pour lui, comme il n'avait pas compris, c'est que Dieu veut t'éviter à toi et à moi. Tu sais ce qu'il nous a raconté dans le livre des apôtres, notamment lui-même son témoignage dans Actes des apôtres chapitre 9, quand il nous raconte sa rencontre avec Jésus, ou bien dans Actes des apôtres chapitre 26, lorsqu'il est devant le roi Agrippa, ou bien dans Actes 22, on dit qu'il allait à Damas. Il était sur son grand cheval. C'est-à-dire que, comment dirais-je, voyager à cheval à l'époque, c'était comme aujourd'hui avant d'être privé. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il l'a fait tomber de son cheval. Attention, la chute peut être terrible. Dieu peut chercher à t'humilier. Tu fais des choses que tu fais, ça n'avance pas. C'est parce que Dieu veut te faire tomber de ton cheval. Dieu veut que tu puisses redescendre sur cette terre. Il l'a humilié, il l'a fait tomber du cheval brutalement. Et il est devenu aveugle. Il est devenu aveugle. Est-ce que tu veux passer par là? Dieu n'a pas changé. Parfois, c'est nous qui voulons. Je nous ai dit ici que la vue est une succession de saisons. Parfois, Dieu nous fait passer par des chutes de chevaux. Parce que nous ne voulons pas entendre le langage douce, le langage doux, pardon, de l'amour. Le langage de Dieu simple. Quand tu nous parles simplement, ça ne marche pas. C'est type qui est persécuté. Mais le jour où il a connu la chute du cheval, vous vous imaginez lorsque... Moi, je m'imagine cette scène. Il est écrit dans la parole que Paul est tombé et il a senti quelqu'un qui l'a tenu. Mais c'est la personne qui te dit, qui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais comment? Moi qui étouffe. Ah oui. Mais dites, tu comprendras. On n'étouffe pas Jésus. On ne devient pas un frein pour l'avancement de l'église. On ne devient pas. Quand il lui dit, il m'utilise pour dire que tu n'es pas capable de me gagner. De combattre avec l'invincible et gagner. C'est ce qu'il nous dit. Lorsque nous ne sommes pas en train de travailler pour que l'église avance, l'église dont nous allons fêter l'anniversaire dimanche prochain, faisons attention, bien-aimés. Lorsque nous persécutons l'avancement de l'église, faisons attention. Parce que Jésus est invincible. Ce qu'il a dit, ça s'est fait. Personne ne peut arrêter ses buts. Personne ne peut faire que l'église de Jésus puisse être mise en danger. Non. Voilà pourquoi
devenu aveugle, Dieu me dit, parce que Jésus est amour, comme il est amour porteur pour moi, comme il est toujours amour. Quand il nous fait tomber, nous avons travaillé depuis pas mal d'années. Où est le progrès? Nous ne voulons pas. Nous avons voulu faire des choses de ce monde la priorité de nos vies. Nous voulons avoir des stabilités artificielles. Parfois nous sommes en train de courir de prophète en prophète, de prophétie en prophétie. Ce n'est pas le prophète, c'est Dieu. Les prophètes, les docteurs, les apôtres sont des instruments. C'est lui qui agit, c'est Dieu. Si derrière un prophète il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de puissance de Jésus. Et tout ce qui est de l'homme est voué à une naissance et à une perte. Et c'est ça le message que Jésus veut te donner aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus lui a dit, cesse, quitte cette voie à laquelle tu es engagé. Tu dois travailler pour le but. Le plan de Jésus, c'est que nos vies le reviennent. Il n'y a pas de message. Le plan de Jésus, c'est que nous puissions comprendre que quand il m'a donné ma voix, ma belle voix, c'est pour chanter d'abord pour Jésus. Quand il m'a donné la beauté, c'est pour que ma beauté puisse faire pousser des gens à aimer Jésus. Parce qu'on regarde un peu ta beauté. Les gens, on voit la manière dont tu es maquillé. On aime Jésus ou bien on le déteste. Lorsque tu te retrouves quelque part dans ton quartier, dis-le-moi un peu. Les gens ont envie de venir à l'église ou ils disent, t'as là-bas l'église à moi. On dit quoi? Lorsqu'on te regarde, tu viens à l'église tous les dimanches. Tu connais beaucoup de versets. Tu fais des tas de bonnes choses. Mais parfois, nous faisons des choses pour plaire aux hommes et non pour plaire à Dieu. Jésus est bon. Pourquoi? Parce que regarde, cet homme qui était même témoin de l'assassinat d'Étienne, cet homme qui lui-même ici dit qu'il a persécuté l'église, qu'il a tué, que non seulement il le faisait, mais il le faisait avec zèle. Il était très engagé. Il était très motivé. Il le faisait avec beaucoup de persévérance. Il lui dit, maintenant que tu es aveugle, il l'envoie chez Ananias. Et c'est Ananias, si nous comprenons la signification d'Ananias, ça voudrait dire la grâce de Dieu, tout simplement. Regarde dans nos dictionnaires bibliques. Ananias est un mot d'origine grecque qui veut dire la faveur de Dieu. En d'autres termes, ce message que Jésus te donne à toi, une semaine avant Pentecôte, c'est Ananias. C'est la faveur qui te dit que tu dois apprendre à réorienter tes priorités. Tu es trop focalisé sur les choses de la vie. Tu dois commencer à voir des choses, ces choses-là, comme des faisants, comme de la perte, comme des choses qui te font perdre du temps. Aujourd'hui, tu commences à fuir les heures de prière, ou tu commences à les trouver très longues. Tu as du mal aujourd'hui à utiliser tes talents. Tu as du mal même aujourd'hui sur votre lien, tu dis même tes moyens. Les moyens que je t'ai donné pour l'avancement de l'église. Je l'ai dit avec beaucoup d'amour, c'est la parole qui l'a dit. Le jour où Paul a compris que tout ça, c'est la boue, l'onction du Saint-Esprit a reposé sur cet homme, sa vie est devenue un miracle. Je prie pour que ta vie dépasse celle de Paul, pour que ton témoignage dépasse le témoignage de Paul. Je prie pour que ta famille avance et que tout dans ta famille réussisse. Je prie pour que tu réussisses à ton travail, pour que là où toi tu es, tu atteignes le sommet. Je prie pour que ta vie change, pour que aucun mal ne puisse t'atteindre, pour qu'aucune difficulté ne puisse transiter par toi. Mais travaille pour une chose, comme il a dit, regarde, réoriente tes priorités, place Dieu comme alpha. Tu l'as dit quand tu pries, alpha c'est le début de l'alphabet. C'est quand il est alpha qui sera oméga. Nous devons chercher. Nous sommes en train de persécuter l'église. Que Dieu t'aide, que Dieu m'aide, que Dieu nous aide à comprendre que la priorité des priorités, c'est Jésus. Et que toi aussi, un jour, dans ta famille où tu es, dans ton assemblée, lorsque tu prêches et les gens ne comprennent pas, tu te mets devant, tu dis, fermez vos bibles, soyez mes imitateurs, que Dieu te bénisse. Je veux prier. Le roi des rois. Merci. Merci parce que tu viens de nous envoyer chez Ananias.
Tu nous fais la grâce par cette parole pour nous faire comprendre que tu ne veux pas notre chute. Tu nous dis que nous courons pour beaucoup de choses comme le faisait votre femme Marthe, agitée pour beaucoup de choses. Mais Marie avait choisi la bonne part, celle des personnes de priorité, celle d'être tout le temps à tes pieds, pour écouter les battements de ton cœur, pour savoir qu'est-ce que toi tu veux que je puisse faire. Seigneur, tu m'as payé pour le but. Si tu m'as donné une belle voix, d'abord, avant que ma voix serve à autre chose de la terre, je voudrais que ma voix serve d'abord pour l'Église. Si tu m'as donné, Seigneur, même des moyens financiers, je dois utiliser d'abord ces moyens d'abord pour que l'Église avance, avant de l'utiliser pour ma vie. Si tu m'as donné une famille, Seigneur, permets que d'abord ma famille soit une prédication pour le peuple. Si tu m'as donné la santé, tu me la donnes parce que tu veux d'abord que ma santé puisse être d'abord utilisée pour ton œuvre. Oui, moi aussi je veux, comme Paul dit, lorsque j'ai connu Christ, lorsque j'ai connu son œuvre, ça m'a envahi. Et je ne travaille que pour cela. Et ma vie, c'est me conformer à ta vie. Ma vie, c'est qu'elle puisse révéler Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu te donnes ta parole. Merci pour l'onction que tu donnes à tes enfants de suivre cette parole avec foi. Tu nous l'as dit et tu l'as répété aujourd'hui en début de ce message. La foi vient de ce qu'on entend. Que tous tes enfants qui ont écouté ce message donnent-leur la foi. Or, tu nous ajoutes. Sans la foi, personne ne peut être agréable. Et tu nous dis aussi que c'est par la foi et par la persévérance que ceux qui t'ont suivi ont hérité des promesses. Béni sois-tu, Dieu de gloire et de grâce. Donne-nous, Seigneur, à rentrer dans cette semaine avec joie et que le week-end prochain nous puissions fêter le venu de cet esprit qui vient nous amener l'onction du miracle et la puissance du ciel. Gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ.